va se rendre au un abribus for the shuttle. Parce que au nord, sur la carte, à mon avis, il y a une. Un passage spécial que pour les shuttles et pas pour les voitures. C'est voiture free. Donc voilà, on va prendre le shuttle pour faire un ou deux trails et puis. Et voilà quoi. Bon, n'ayant pas envie de se mouiller les chaussures, on a enlevé nos chaussures, on n'a pas fait demi-tour. C'est parti, bon, elle est pas très... Aujourd'hui, elle est pas au top. Hein. Elle avait déjà pas envie de venir... Elle voulait que j'aille seule, justement parce qu'il y avait des risques qu'on soit mouillé. En plus, on a demandé à quelqu'un qui en revenait juste avant et il nous a dit comme quoi... On serait mouillé au moins jusqu'à la taille. You gotta do what you gotta do, hein? Ça y est, je décide enfin à mettre pied à l'étrier, ou plutôt les pieds dans l'eau.
Allez, il est temps à nouveau, temps à nouveau de nous jeter à l'eau. Elle n'est pas au top de sa forme. Je viens de poser la question à Stéphanie si elle voulait remettre ses chaussures ou pas. Moi, j'avais envie de continuer pieds nus. Voilà, comme ça, vous auriez vu mes pieds. Bah, tout compte fait, il faut quand même les renlever. Mais ça va, on les a pas remises. C'est un petit peu plus profond. C'est comme ça quand on est à cloche-pied. Ah, c'est le trail des Narrows. Narrows veut dire, il me semble, vraiment très proche, quoi. Proche. À mon avis, là, l'eau, elle était là. Donc, elle était vraiment très proche des bijoux de famille, quoi. Mais normalement, on a vu des personnes qui étaient mouillées à peu près au même endroit, jusqu'au même endroit que moi. Donc je pense que ça va être le max, ça va être ça. Après je peux me tromper, peut-être qu'ils ont fait machine arrière quand c'est arrivé là à l'instant. Mais bon. Je crois que c'est 4 heures de marche, je crois. Je le redirai après avoir relu la carte. La cartounette. Et Stéphanie, où est-elle? Bah elle est au fond là-bas à droite. Et, là, j'imagine que ça fait un peu mal aux pieds. J'en ai vu un, il faisait peut-être... la moitié, trois quarts de mon poids et c'était vraiment, ça faisait vraiment mal pour lui. Ouais. Faut les entraîner ses pieds un petit peu. Je me souviens qu'au Rock'n'Roll Train Festival, c'était de l'herbe au sol. J'étais dans la fosse, donc je me faisais marcher sur les pieds, mais j'étais pieds nus. Mais bon, après. Quand t'es chaud, hein, tu, voilà, j'étais même pas bourré vu que je bois pas d'alcool, donc je devais vraiment sentir la douleur, mais non, c'est bon. Oula, ok. Bon, il fait pas aussi chaud, on n'est pas à Miami, mais ni à Los Angeles, mais il y a l'air d'avoir des des groupies. Des groupies sur la petite cascade. Ouais, c'est rigolo, c'est risible. Ah, ouais. Bon, je vois plus Stéphanie. J'espère qu'elle n'est pas tombée et qu'elle est dans tous ses états. À râler parce qu'elle est tombée dans l'eau et à me dire comme quoi je ne l'ai pas attendue. Eh, mais que veux-tu? On fait tous les National Parks, on fait tous les National Parks. Si déjà tu veux pas venir à une seule randonnée parce qu'il y a un peu de flotte comme ça, voilà quoi. Bon, enjoyons, enjoyons.
Oui, je sais, j'ai une aisance sur les cailloux avec mes pieds. Ça fait au moins 5 ou 6 fois que les gens me disent You're brave. That's impressive. Wow, bare feet, wow. Je sais pas. Je trouve ça normal. On est dans un parc national. Donc normalement, il n'y a pas de merde par terre. Il y a juste la nature. Donc j'ai encore moins peur de marcher, quoi. Ah, mon bras! Ah, 127 heures. Ah, mon bras! Ah, celui-là, il était un peu trop pointu. Comme le chapeau pointu. Bon, j'ai une musique en tête. Normalement, les fans hardcore pourront reconnaître. Donc, je vais siffloter et vous allez essayer de reconnaître. Et je ne sais plus la suite. Donc, à vous, à vous, à vous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Allez, on triche pas, on triche pas. On triche pas. Je le mettrai peut-être dans la prochaine vidéo, comme ça. Je pourrais voir ceux qui ont triché ou pas. C'est la pause. C'est la pause. Ou c'est la fin. Ça va, je suis pas si gros. Je pourrais dormir avec ce bruit
ça m'apaiserait. Bon, je viens de demander. C'est certain, il n'y a pas de fin. Donc, vu que là, ce que je viens de passer, là, le petit rapide, ça doit être un peu chaud pour Stéphanie. Je vais pas tarder à faire demi-tour pour aller la rattraper, en espérant qu'elle n'ait pas tombé. Allez, walou! J'ai quand même envie de voir ce qu'il y a là-bas et après je fais demi-tour. Bon, je viens de discuter avec un couple. Ils étaient super sympas. Est-ce que c'est Stéphanie? Non. Moi, je pense que ce que j'ai passé avant, c'était trop dur pour elle. Donc, je pense que vu que ça se divise en deux, là, je vais faire demi-tour et la retrouver. Allez hop, c'est parti. Bon, je vois toujours pas Stéphanie. Ça fait au moins 20 minutes que je marche dans la direction adverse, opposée, je veux dire. Soit elle s'est arrêtée vraiment très tôt parce qu'elle a vu que je l'attendais pas. Attends, chacun son rythme, hein. Je peux pas me freiner. Et puis, elle pas enjoyée à la manière dont j'aime, quoi. Donc, ou alors elle a fait demi-tour et elle m'attend au tout début. La surprise. Ça va être la surprise, on va voir dans quel état elle est. Oh, quel taquin c'est Antoine. Hein? Même quand il est pas là, il fait chier. C'est dingue, hein. Toujours pas de signe de Steffi. Où est Steffi?
ça ressemble à des marches d'anciennes civilisations, ça fait cool. Bon, on vient de passer la poule, ils appellent ça des poules, les sortes de piscines. La basse, et puis là on va à celle du milieu et celle du haut. Il fait chaud là. Il doit faire plus de 30 degrés. Éprouvons. It all has a chain? Yeah. Just hold on to the chain. Yeah. Don't try to hold a GoPro on the way up. Why not? I'm gonna carry it the whole way up. Has a job. Save some battery for the way down. How long is this on the I'm more worried about the way. Putain, il reste normalement 300 feet. Mais vu qu'on fait que de monter. Ça monte. Donc là j'en profite un peu, c'était un peu plat. Wow. Careful here. Et voilà la up pour. On arrive de nouveau à la lower pool, à la basse. Qui veut s'arrêter sur le banc brûlant? On voit une petite queue d'écureuil là. Oh, pouf, elle a disparu. Fermé pour cause de glace. Mon œil. On a fait deux bons trails aujourd'hui. Perso, je suis mort. Sui Mor. Le premier c'était le temple de Sinawava. Voilà. Et le deuxième c'était pour voir les pauses. Voilà. Zion National Park. C'était super.
lost my hat because they drive so fast, these fuckers là. It was just running, that was so cool. A little one. Des bisous, bisous. Des bisons, bisous. And that's it. Et ils étaient venus pour boire, hein, ils ont trop fait chier et puis ils sont partis. C'est cool. Bon, j'espère que je vais réussir à le filmer. Le corbeau. Waouh. National Park, où c'est Glen Canyon National Park, avec le Lone Rock au milieu du lac Powell. Et voilà notre camping ce soir. Le camping nous a coûté $14 la nuit pour nous deux. Par contre, si on n'aurait pas eu le pass annuel de quasiment tous les parcs nationaux, on aurait dû payer 30 euros pour rentrer sur le National Park et ensuite les 14 euros pour dormir. Donc là, franchement, c'est super quoi. Donc voilà notre camping de ce soir. Et en plus, l'eau, elle est pas froide. L'eau n'est pas froide. Taille de ces corbeaux. On arrive aux genoux. Comment ils marchent. Ça c'est Seb le samedi soir. Le conducteur a été désigné.